agent, ici Kevin Valmar, pour vous servir. Hey, hey. Alors, je dois vous informer d'une chose, apparemment, selon YouTube, vous êtes plus de 85% à ne pas vous abonner. Et toujours selon YouTube, vous êtes entre 18 et 35 ans. Alors aussi, toujours selon YouTube, il y a 7% de femmes qui regardent ma chaîne, donc mesdames, vous n'êtes pas nombreuses, mais je vous salue bien bas. Merci de vous intéresser au contenu que je fais. Bon, reprenons le mouton. Donc, si j'en crois la section de votre âge, à moins que vous ayez déjà Alzheimer, ce qui serait problématique pour vous et votre entourage, je vous conseille donc d'appuyer sur le bouton s'abonner. Comme ça, vous pourrez toujours retrouver la chaîne dans votre liste d'abonnements. Et si vous voulez rater aucune des prochaines vidéos qui sortira, vous n'avez qu'à mettre la cloche. Bon, personnellement, je le fais pas, hein. Perso, je ne mets jamais la cloche quand je m'abonne. Le plus souvent, tout ce que j'ai à faire, c'est juste regarder ma liste d'abonnements et voir s'il y a un petit point bleu qui apparaît à côté du nom de la chaîne. Habituellement, dans 95% des cas, ça veut dire qu'une nouvelle vidéo est sortie, donc voilà, c'est le prototype du Valmar, hein, vous en faites ce que vous voulez. Sachez aussi que le Valmar ne gagne aucunement de l'argent sur cette chaîne. Je suis sérieux, je ne fais ça que par passe-temps, parce que j'ai du temps, je peux le faire, etc. Donc ça fait que je propose de découvrir les jeux que je fais, soit parce que c'est des jeux que je connais depuis très longtemps, soit parce que c'est des découvertes que j'ai envie de partager. Donc voilà. Donc le mieux pour soutenir mon travail, hein, c'est juste de mettre un petit pouce bleu. Ça me permet déjà de savoir, un, que vous avez apprécié le contenu, et de deux, ça me permettra de m'aiguiller pour savoir ce que vous préférez, et donc ça me permettra de savoir sur quoi je dois mettre la priorité quand je fais mes vidéos. Et vu que les pouces bleus, c'est un peu mon paiement pour le coup, eh bah, si vous voulez rajouter un pourboire, vous n'avez qu'à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours du bien de vous lire, hein, et de savoir ce que vous avez pu penser, etc., de ce que je fais, hein, tout simplement. Bon, évidemment, je ne peux pas non plus vous forcer à mettre un commentaire si vous n'avez rien à dire, hein, donc voilà. Bien que je sois en ce moment derrière vous avec une arme à feu en train de vous viser pour vous obliger à mettre un commentaire, si vous vous êtes retourné pendant que je vous dis ça, eh bien, vous devez vous sentir bien bête, pour le coup. Bref, donc, les Valjean, je vous laisse à la vidéo. Donc, allez, hop, moi, j'ai plus qu'à faire autre chose de ma journée, hein, comme, je sais pas, moi, à faire des vidéos, tiens, en ce moment, j'ai que ça à faire, donc, écoute, je vais faire ça.
エミ、調子はどうだ？ゴースト化してるってのはどんな感じだ？ソニックが雑念を取り払うのを助けてくれたから大丈夫。でも何か離れてるっていう感じはするけど。夢の中で飛び回ったことはある？空気より軽くなったような。とにかく今はそんな風に感じるの。だから早く地に足をつけて元通りに戻りたいわ。もう少しだから頑張れ。俺が絶対に戻してやる。
かっこいい蜘蛛の巣みたいだな。Bon ben les Valjean, est-ce que vous voulez qu'on laisse le montage comme ça, c'est-à-dire je vous montre vraiment tout ce que je fais, même les actions répétitives, les boss qu'on a déjà vus, tout ça, etc. Ou est-ce que vous voulez que je découpe tout ce qui est partie exploration, déverrouillage de la carte, les boss qu'on a déjà vus, bref, les trucs pas intéressants à voir, pour ne garder que ce qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire les boss qu'on n'a pas encore affrontés et que donc il serait intéressant de découvrir comment les combattre, tout ça et compagnie. Ainsi que les endroits à visiter qui semblent vraiment intéressants, comme la grande tour qu'on a vu à un moment donné dans le jeu, là, dans l'épisode précédent ou dans cet épisode, je sais plus, moi, à force. Voilà, puisque moi je fais le montage, mais je fais ça aussi à la va-vite, quoi. Puisque moi je comprenais que je suis un peu fatigué là, et que j'ai pas envie de vérifier mon montage pour voir si on a vu la tour dans cet épisode ou dans l'autre. Bref. Les discussions avec les amis, donc Amy, Tails et un autre personnage qu'on verra plus tard. Si vous voulez savoir quel est ce personnage, on le verra, enfin vous pouvez le voir dans un court-métrage qui s'appelle Sonic Frontier Divergence. C'est disponible sur YouTube, donc voilà. Comme ça vous saurez donc que ce personnage est présent dans le jeu. Je pense qu'il est arrivé un peu comme un cheveu dans la soupe. Donc voilà quoi. Et qu'ils se sont dit, mince, on n'a pas réussi à bien introduire ce personnage dans le jeu. Bon bah alors on fait un petit court métrage pour expliquer ça et puis on essaie de sauver les pots cassés quoi on va dire. Donc voilà, bref. Et évidemment les niveaux que donc je débloque, tout ça etc. Bref, donc est-ce que vous voulez le montage classique, c'est-à-dire je touche à rien, je vous montre tout ce que je fais. Ou alors vous préférez que je découpe uniquement pour les passages vraiment intéressants. Ça fait que pour un enregistrement de 3 heures par exemple, il risque de n'y avoir que un épisode... voire même un demi-épisode, puisque vu comment ça traîne, j'ai l'impression que sur 3 heures, j'arriverai des fois qu'à avoir des passages de 10 à 15 minutes de vraies vidéos. Et donc, voilà quoi, ça fera des épisodes très courts pour le coup. Mais malheureusement, je pourrais pas faire mieux, parce qu'à un moment donné, moi j'en ai marre hein, de farmer des trucs, etc. Donc voilà, je vais pas non plus me forcer quoi. Je vais essayer un peu tous les jours de retourner sur le jeu, mais là pour l'instant, il me donne pas envie quoi. Bref. Voilà, mais c'est parce que c'est...
On va espérer que c'est vraiment parce que c'est le début, donc voilà, parce que... Et surtout, ce que j'espère, c'est que Sonic va récupérer de la vitesse, parce que sérieux, qu'est-ce qu'il est lent. Il y a une sensation de lenteur dans ce jeu, c'est incroyable. On est dans un jeu Sonic. Et t'as l'impression d'être lent, c'est incroyable. Je sais pas si ça se voit en vidéo, mais... Quand tu as la manette en main, c'est affligeant, t'as vraiment l'impression que Sonic, en fait, il accélère que quand tu lui fais le coup du turbo, mais à plusieurs coups, tu vois, donc t'as pas cette sensation de vitesse. C'est, voilà quoi, le boost qu'on avait dans Génération, par exemple, ou dans Force, au moins, eux, t'avais vraiment l'impression que bah tu prenais de la vitesse. Là, le boost de ce Sonic Frontière, enfin, le turbo, comme ils appellent ça aussi. Non, je suis désolé, là, il n'y a pas de sensation de vitesse avec, là, pour le coup. C'est naze, c'est nul. Donc, voilà, bref. Voilà, donc, montage classique ou montage abrégé, où il n'y a que les parties les plus intéressantes. À vous de me dire. Donc, voilà. Soit vous voulez participer avec moi à ma douleur durant les enregistrements, soit vous voulez justement vous esquiver ça, pour ne voir vraiment que le contenu intéressant du jeu. Donc voilà, à vous de décider, jouez sur ça. Bref, sur ce, les vagins, plus portez-vous bien, mangez des cookies, vous naissez la suite, et ciao ciao, et on se retrouvera donc pour de prochaines vidéos. Allez, à plus. Allez, vagins, ici Kevin Valmar à nouveau pour vous servir. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous regardez habituellement les scènes post-crédit au cinéma. Bon, je peux pas vous enlever ça, on est de plus en plus nombreux à le faire. Donc, pour ceux qui ont sauté l'intro de la vidéo, ou qui ont sauté les 5 premières minutes, ce qui serait quand même étrange, mais sait-on jamais, n'oubliez pas de vous abonner afin de pouvoir retrouver plus facilement la chaîne. Mettez la petite cloche, histoire d'avoir des notifications par rapport au fait que si jamais je sors un nouveau contenu, bah vous serez prévenu. Bon, perso, je le fais pas, hein, puisque comme j'ai déjà expliqué, il suffit juste de regarder sa liste d'abonnements. Si vous voyez qu'il y a un petit rond bleu qui apparaît à côté du nom de la chaîne, bah c'est tout simplement qu'en fait, dans 95% des cas, il y a une nouvelle vidéo qui a débarqué. Donc voilà quoi. Disons que le coup de la cloche, c'est un peu le délire de YouTube, mais bon, on va rien dire. Je vous rappelle aussi que je ne gagne pas d'argent sur cette chaîne, je ne fais ça vraiment que par passe-temps. Donc, si vous voulez soutenir mon travail, le seul truc que vous avez à faire, c'est tout simplement me mettre un petit j'aime, un petit pouce bleu, comme on dit maintenant, tout simplement pour dire que vous avez apprécié le contenu. Et comme ça, ça me permettra au fur et à mesure du temps de savoir ce que vous aimez le plus sur la chaîne, et donc sur quoi je dois mettre la priorité, afin de vous donner toujours du contenu que vous appréciez. Et vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, c'est toujours sympa de lire ce que racontent les gens, hein, et surtout ce que vous voulez me dire à moi. Bon, je peux pas vous forcer non plus de mettre des commentaires parce que j'adore vraiment lire les commentaires, je veux vraiment savoir ce qui vous passe par la tête, tout ça, etc. pour mieux savoir ce que je dois faire sur la chaîne, tout ça et compagnie, mais bon, comme j'ai dit, je ne peux pas vous forcer, donc, voilà. Mais pensez-y, hein, ça fait toujours un petit plaisir au petit cœur du petit Valmar. Donc, voilà. Donc, sur ce, les vagins, à plus, portez-vous bien, mangez des cookies, vous connaissez la suite, et ciao ciao, on se retrouvera donc pour de prochaines vidéos. Allez, à plus.